c'est Steph le chasseur. Salutations à tous. Aujourd'hui, je viens faire un petit tour chez mon propriétaire, mon spot de chasse, voir ce qui s'est passé, faire un peu de prospection, entretenir mon gratté ou mes grattés, ramasser des gants que j'ai oublié l'année passée. Mais en fait, j'ai pas oublié. Quand il fait froid, des fois, je change de gants puis j'emmène une paire en dessous de mon manteau. Puis là, ben, j'ai dû les mettre en dessous de mon manteau. Puis quand je m'ai levé pour partir, j'ai oublié qu'ils étaient là puis ils ont tombé dans la traîne. Fait que je les ai trouvés dans la traîne. J'aurais aimé ça venir pendant qu'il y avait de la neige et tout, mais ça n'a pas donné, malheureusement. Les activités qu'on a faites et tout. Et j'ai pas pu venir pendant ce moment-là. Mais c'est pas grave, on est capable quand même de voir des belles trails, voir des indices que les chevreuils sont venus. Fait que c'est ça, là, je viens installer une couple de caméras à quelques endroits stratégiques parce que j'ai l'intention de changer de spot. Je vais me trouver un spot qui va être un peu plus camouflé. Donc, pas autant ouvert comme ça à la vue des yeux de toutes les chevreuils, mais peut-être, tu sais, dans un trou comme ça, sur le bord. Je sais que ça va être plus difficile, mais je vais me faire une ligne avec les appâts. Mais en tout cas, je vais voir, là. Je vais aussi retrouver l'étang, mettre une caméra là. Quand je vais mettre une couple de places le long de la trail. Voir, parce que je le sais à tous les ans, à cause des traces, qu'il y a des chevreuils qui passent là. Fait que je veux vraiment voir. Une chose est certaine, c'est que la cabane a tenu le coup en tabarnouche. Oh, le morceau de bois que j'ai mis, a-t-il cassé? Non, il a plié un peu, mais il a tenu le coup. On a juste à le virer de bord. On va être un peu plus haut. Il va reprendre la curve par l'autre bord. En tout cas, pas de dommages là. Et ça, je suis content. Je vais pouvoir la déplacer. Ici, ben, où est-ce que j'avais fait ma saline, il reste quelques pommes desséchées. Ça, ben, pas de caméra. J'ai pas laissé de caméra. J'aurais dû en laisser, mais c'est pas chez nous. Puis il y a beaucoup de trafic qui vient ici. Fait que j'ai trop peur de m'y faire voler. Je sais pas s'il y en a qui sont venus. La citrouille, ben, a pas été très populaire. La citrouille d'Halloween n'a pas marché bien. Lui, ben, je vais peut-être le déplacer proche de mon autre spot si je trouve une place mieux. On verra ça. J'ai trouvé l'étang. Il est pas mal plus dégagé. Les arbres sont tous couchés, c'est sûr. Ils n'ont pas poussé encore. Puis il y a de la dépépite en tabarnouche. Pas sûr que ça me tente de venir m'installer ici, passer mes journées avec toutes ces pépites-là. Décision. En tout cas, je vais mettre une caméra à quelque part, je vais la cacher comme il faut. Puis on va voir quel genre de trafic qui vient ici. J'ai installé mes caméras. J'ai pas trouvé de vraie trail précise. Je n'ai trouvé une que ça paraissait que les chevreuils passaient beaucoup là. Puis ça donne bien. C'est une place où est-ce que je peux mettre la cache. Puis qu'elle sera pas trop voyante. C'est pour ça que j'ai mis une caméra là. Pour le tout ça. Il y a beaucoup de traces, mais juste éparpillées ici et là. C'est un vaste terrain, hein, puis c'est tout du bois comme ça, dans ce coin ici. Puis même de l'autre côté, c'est pas si broussailleux que ça. Mais où est-ce que c'est broussailleux? C'est un petit peu trop proche à mon goût des spots d'autres chasseurs qui pourraient potentiellement venir pendant la carabine. C'est toujours ça la difficulté
trouver une place qui convient à toutes, qui va avoir des chevreuils, etc., etc. Essayer de trouver des bois à terre, je vais pas trouver rien. Je suis pas rendu à l'auto, mais... Il y a un petit ruisseau ici, puis j'ai vu des poissons tantôt. On venait à la pêche. C'est des petits menés. La campagne de financement est toujours en cours. Elle va de plus belle. Si vous voulez m'aider pour acheter les équipements, un petit 5$, un petit 2$, 10$, n'importe quoi. C'est comme vous voulez. J'aimerais ça m'acheter des meilleures caméras plutôt que de filmer avec mon cellulaire. Puis, comme je vous ai expliqué, c'est sûr que je vais vous le remettre dans le sens que je vais faire des concours. Puis, quand la chaîne va commencer à monétiser un petit peu, je vais faire des concours, je vais faire des cadeaux. Fait que vous allez être gagnant à la fin. Ça va vous revenir. Donc, abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez un petit like, puis moi, je vais retourner à la maison. Puis je vous remercie, je sais pas si vous avez vu mon beau chandail. Il y a mon nom écrit dessus, tout le kit. On se voit cet été pour la pêche. Je vous réserve... des belles surprises là-dedans. Je vous en dis pas plus. Je vais pas le manquer. Pèsez sur la cloche. Vous allez recevoir toutes les notifications. Sur ce, là c'est vrai. Ciao, je retourne à la maison. Steph, le chasseur. Hey.